ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, שים נא ידיך תחת ירחי ואשביעך, שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. אברהם אבינו, arrive le moment où il doit se préoccuper de trouver une femme à Yitzhak, son fils. Yitzhak Avinu. Chidour pour Yitzhak, premier chidour de l'histoire. Et qui il trouve comme Shaliach pour trouver cette fille? Eliezer. Eliezer, Eved d'Abraham, Damezek Eliezer, Dole ou Mashke, Mitorat Rabo, c'était celui qui puisait toute la Torah de son Rav et qui enseignait sa Torah. Plus encore, dans le verset qu'on vient de lire, où Abraham demande à Eliezer de trouver une femme pour Yitzhak, il y a écrit Zekan Beto, le plus chacham qu'il y a dans sa maison, Amoshel Bechol Asherlo, celui qui dirige, qui détient tous les biens d'Abraham, c'est lui le Menahel, le directeur général de la maison d'Abraham, c'est Eliezer. Demande le Lev Eliyahu, Rabbi Eliyahu Lopian Alav HaShalom. Pourquoi on a besoin de préciser ça dans ce passage? Il a demandé à Eliezer, le PDG de la maison d'Abraham. Il a demandé à Eliezer, va me chercher une femme. Quel est le poste d'Eliezer dans la maison d'Abraham? Et il dit, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas, il n'y a rien de moi. C'est ce qu'il dit le Lev Eliyahu. C'est un ridouche affolant. Amash. Quand j'ai lu ça cette semaine, c'était comme ça. C'est affolant. Si je mets. Mais il faut une petite, c'est pas de long, petite introduction. Répond le Rav, Alav Shalom, et dit que bien que Eliezer avait un rapport avec Abraham de confiance totale, Abraham faisait entièrement confiance à Eliezer. La fortune d'Abraham, c'était une fortune colossale. Abraham était meller. Et il a nommé Eliezer, qui était un grand Talmid Chacham. Dolé ou Mashke Mitorat Rabo. Il puise la Torah de son maître et il donne à boire à d'autres. Un rav, il fait confiance à n'importe quel élève. Que cet élève-là, il va enseigner ses enseignements. Oh, combien un rav, il va tester cet élève-là pendant pas un mois et deux mois, pendant des années avant de lui faire confiance et lui dire, vas-y, tu peux enseigner ma Torah. Ouh là là. Surtout à leur époque où le monde entier n'était pas encore dans ce en yeshiva. Et on ne connaissait pas les yeshivot, il n'y avait pas de Torah d'où apprendre. C'est que Abraham, c'est tout. Il faut que ce soit sans aucune déformation. Et Abraham Avinu a fait confiance, même au niveau de la Torah, Eliezer. Tu peux enseigner ma Torah. Arrivé le moment du mariage, Shidduch, okay, là, d'un coup, on voit Abraham, Gvura, la rigueur, des avertissements. Il dit, attention si tu prends. Attention si tu vas là-bas. Regardez les psukim. D'abord, jure-moi que tu prends pas Zé. Nekitatra. Jure. Abeno, Abraham, il dit Eliezer. Maftiach. Mouna, tu me fais ma confiance. Ma jure. Tout entre. Même ta Torah, j'enseigne. Qu'est-ce que tu m'as dit, Sarakol, de ne pas prendre Kenarani? Vadak, je ne vais pas prendre. Ishava, Nekita Trefetz. Je vois Khamoura, Nekita Trefetz. Quel Trefetz? Il y avait une mitzvah à l'époque. La Mila. C'est une scène. Hein. Bizarre, cette scène-là. Tishava, betin kot refetz. Là, ma tishava bli. Beshem Hashem, bli nekita trefetz. Nekita trefetz, ça veut dire tenir dans sa main un objet de mitzvah. Aujourd'hui, on ne fait plus la jvoua, mais à l'époque du Bet Din, on faisait la jvoua, alors on attrapait un Sefer Torah. Zen nekita trefetz. Il faut attraper un Sefer Torah et jurer Beshem Hashem. C'est la jvoua de plus haut degré qui existe. Avraham voulait cette jvoua-là. Pas une jvoua
de premier degré sans Shem Hashem, c'est aussi une joie. Et pas une joie de deuxième degré avec Shem Hashem, une joie de plus haut degré, Nekita Trefetz. Ça veut dire il n'a aucune confiance. Aucune confiance. C'est Pen et Plaïm. Aucune confiance en lui. Nekita Trefetz. Après, ok, Eliezer va dai, Eved Avraham, il prend Nekita Trefetz. Frefetz mitzvah, c'est la mila d'Avraham, et il jure, je vois Hamoura, Beshem Hashem, je ne prendrai pas mes benot à Kenan. Après, Eliezer, il dit, et si j'ai pas trouvé d'une autre, okay. Avraham, il vient. Oulay l'otove Aisha, va yomer elav Avraham, Isha merlecha, fais attention, si tu. Avraham, avinu, kulo chesed. Fais attention si tu prends. Maolech po. Et là, il faut comprendre que l'enjeu est énorme. Tout ça, c'est une introduction pour comprendre la suite. On parle d'un enjeu de tout l'avenir de Am Israël. Avraham, il en est conscient. Tout Am Israël, jusqu'à la venue du Mashiach, et après encore, dépendra du mariage. De quelle femme on va prendre ? Quelle fille on va prendre ici ? Ça va être la mère de tout Am Israël. Torah, ok, on peut faire tchouva, l'argent, c'est pas grave, t'es un tzaddik, j'ai confiance, tout ce que tu veux. Aval, quand on arrive et on touche là à l'avenir de tout Am Israël, oh, il va, voy, si elle a moindre erreur. Eliezer, il a bien été préparé, il a bien compris, là, ça rigole pas. Il part en chemin et il dit à Hachem, bon, Hachem, écoute, j'ai peur de me tromper. Oui, alors écoute, on va faire des simanim. La femme qui viendra et qui me dira « Prends à boire pour toi et aussi tes chameaux, je vais leur donner à boire. » Ota ochachta, c'est elle que tu as prouvé. Elle, c'est la preuve que c'est elle la bonne, la mère de toi, Am Israël. Et là, il dira avec l'Éthiopien, hein, affolant. Comment c'est possible? Après tous ces avertissements, après toute la peur d'Avraham Avinu, après le manque de confiance totale qu'il a en Eliezer par rapport au Shidur, qu'est-ce que tu as trouvé comme qualité pour la mère de toi, Amisraël? Elle va me donner à boire à moi, elle va donner à boire à mes chameaux. Ah, on dit Chesed. C'est tout, ça s'arrête là? Et faut ira Tchamaï. Peut-être qu'elle est Mechalelet Shabbat. Pourquoi il n'y a pas des gens qui sont Mechalelim Shabbat et qui te donnent à boire à toi et à tes chameaux aussi? Maïch. Il n'y a pas des organismes de Chesed, fait de Mishdegoïm. Ils font Mishdegoïm. Nefesh pour faire du Chesed. Il y en a, ils vont en Syrie, ils vont. Mais en Syrie, des médecins. Chaque jour, c'est un Nes qui sont encore vivants. Pourquoi? On va aider les enfants syriens. Chesed, c'est quoi la kavod? Mais c'est Wout Nefesh. La folie, je ne sais pas comment ils font ces gens-là. Ils vont là-bas pour sauver des vies. Top, c'est les goïms. Top, cette femme-là, peut-être qu'elle est Mechalelet Shabbat. Peut-être qu'elle mange Kippour. Azma, si elle te donne à boire à toi et à tes chameaux. Azma! C'est une kouchia très forte. C'est tout ce que tu as trouvé. Tu n'as pas vu comment il t'a averti, Abraham? Combien? Il dit, je vous lis la chaîne, on est obligé de lire, je m'écris là. Mikol zelamadnu yesod gadol vichidush nifla, dit le Rav. De là, on apprend un chidush extraordinaire. Asher lav kol mocha savilda. Le Rav est conscient que pas tous les esprits peuvent contenir un chidush pareil. Pas tout le monde peut supporter un chidush pareil, parce que c'est un chidush qui a l'air illogique. Aval ken wa emet. C'est ça le emet, Rabot. Dit le Rav, c'est ça le Emet, ce que je vais dire maintenant. Dit le Rav. Bien que la Yirat Shamaim, c'est le principal dans la Avodat Hashem. Un homme sans Yirat Shamaim, un juif sans Yirat Shamaim, n'a pas de valeur aux yeux d'Hashem. Et sa Torah et ses mitzvot sont très 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 faibles. Yirat Shamaim, c'est le plus important. Or là, on ne voit aucun signe dira Tchamaïm qu'Eliezer a demandé.
Mikol makom yeshanu leda, il faut qu'on sache qu'un homme qui a adinut nefesh et midot tovot, quelqu'un qui est constitué de bonnes midot, il a adinut nefesh. Adinut nefesh, ça veut dire qu'il a sa personnalité, ses midot qui sont adinim, qui sont sensibles. Il est sensible à l'autre. Il est loin du mal. Il est proche du bien. Il veut faire du bien avec les autres. Il n'aime pas parler mal des autres. Il ne criera pas sur les autres. Et ainsi de suite. Il est adin nefesh. Les bonnes midot, en général. Celui qui a de bonnes midot, même s'il est dans un stade, dans un statut où il n'a pas d'irat shamayim, il ne connaît pas. Il ne fait pas shabbat. Il ne mange pas kasher. Il ne fait rien du tout. Il n'a pas d'irat shamayim. אבל אם יגיע להכרה בחיוב יראת שמיים, ירדוף אחריה וישגיע למלכה. Si il arrivera à une prise de conscience, on va lui apprendre c'est quoi la yirat shamayim. On va lui apprendre la Torah, on va lui apprendre à Dieu. Il atteindra la yirat shamayim très facilement. Et pas plus encore, il va même la poursuivre. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était très loin de la Yirat Shamayim. Très loin. Rabbi Akiva disait, Mi'iten, pourvu. Ah, si seulement j'avais des mâchoires d'âne. Pourquoi tu veux des mâchoires d'âne? Pour mordre les Talmidei Chachamim. Et mordre. Tellement que je ne supporte pas les Talmidei Chachamim. Rabbi Akiva, il a parlé comme ça. Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Il a parlé comme ça. Une mâchoire d'âne pour mordre. Pourquoi une mâchoire d'âne? Il dit, mais Fanchim, parce qu'un âne, quand il mord, pas bah, il mord et il lâche prise. Il mord jusqu'à qu'il casse l'os. C'est une haine énorme contre les Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il ne se comporte pas Bederech Eretz. Pas tout le monde, bien sûr. Ah, mal certains. Oui, cette même, ce son de cloche-là dont on parle, on l'entend aujourd'hui. Oui, hein, les parasites, ils sont ça. Ouais, comment ils font? C'est des voleurs, c'est des trucs. Hein. C'est pas dit en vain. Il y a malheureusement des gens qui sont censés représenter la Torah et qui représentent l'inverse. Ils ne se comportent pas bien. Ça parle mal. Il y a des vols. Il y a un peu de malhonnêteté. Il y a un peu de avodah harayot. Il y a un peu ça. Ah, t'as vu celui-là? Ah, t'as vu celui-là? Ah, t'as vu celui-là? Ah, voilà les religieux. Rabbi Akiva l'a parlé comme ça aussi. Pourquoi? Ça venait d'une sincère volonté d'avoir de bonnes midot, d'être tord. Si un Talmid Chacham qui étudie la Torah, il n'a pas de bonnes midot, alors qui en aura? Alors c'était ça Rabbi Akiva. Tu parles comme ça contre les Chachamim? Mort des Talmid Chachamim? Oui, les Rabbi Akiva, voilà les Yirat Shamayim. Aval Rachel, sa femme, elle a voulu se marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est ma'alé. Il est noble. Il a de bonnes midot, Rabbi Akiva. Il a de bonnes midot. Bah, tu veux te marier avec quelqu'un qui déteste les Talmidei Chachamim? Oui. Pourquoi? Parce que le kanka, comment on va dire? Oui, la base. La base est saine. C'est un homme sain, c'est un homme équilibré. Il a des bonnes midot. Il a le respect de l'autre. Et quelqu'un comme ça, on le rend à l'Irat Shamayim. En rien du tout. Rachel, c'était une grande, grande chachama. C'est pas un problème, ça. Il peut parler comme ça, demain, il va parler autrement. Mais tant qu'il y a des bonnes midotes. S'il n'y a pas de bonnes midotes, dit le Rav par la suite, il n'y a presque rien à faire. Rien à faire. Si un homme a en lui la jalousie, l'orgueil, la haine de l'autre, il a mal quand l'autre réussit, il a la colère, et ainsi de suite... Mauvaises midotes, toutes les mauvaises midotes qui sont dominantes chez lui, alors ça s'appelle Kena. Et ça, c'est l'avertissement d'Abraham. Attention si tu prends une fille de Kena. Et si je trouve une fille de Kena, Shomeret Shabbat, Tzniout avec la jupe jusqu'au sol, elle a déjà le kisou roche, mais pourquoi pas? Pourquoi tous les Kenaanim, ils sont pas saouls? Makara, je te trouve une Kena, top! Ma varia.
Abraham, il dit, oh, il va voir si tu me promènes de là-bas. Pourquoi? Tu sais d'où il vient Kénaan? C'est qui Kénaan? C'est le fils de Ham. T'as vu ce qu'il a fait Ham? À son père. Un manque de respect à son père, c'est Ham. Il a été maudit par Noach. Enaro mitdabek bebaruch. Toute sa génération est ancrée en elle le mal, les mauvaises midot. Tu peux trouver toute la Torah, c'est que superficiel. Yirat Shamayim, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il ne peut pas y avoir de Yirat Shamayim qui siège dans une neshama qui a des mauvaises midot. Par contre, quelqu'un qui a de bonnes midot, même sans Yirat Shamayim, c'est un chidouche énorme. Qui c'est qui est capable de prendre un chidour pareil? Qui c'est qui est capable de prendre un chidour que tu ne sais même pas ce qu'a fait cette femme-là? Quel séminaire, quel truc, comment elle fait ses actions. Regarde comment elle fait Birkat Amazon. Regarde comment elle fait cette fille-là. Regarde cette tsniout. Iribri bona shelam, si tu m'as fait une fille qui est habillée de la tête aux pieds, ota ochachta. Tsniout, ma. C'est pas mieux qu'elle me sert. Elle me sert à boire à moi et à mes chameaux. Comme ça, nous, on aurait demandé comme Siman. On aurait demandé Tzniout, on aurait demandé montre-moi comment elle est dans cette fille-là. On aurait demandé comme tous les tests qu'ils ont fait des Gdonim pour savoir si le Shidduch est bon ou pas. Ils testent au niveau des mitzvot. On ne voit rien de tout ça. On voit quoi? Midot. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir toutes les plus belles actions du monde. Si les midot sont mauvaises, ne peut pas résider de la Yirat Shamayim dans cette personne. C'est pas possible. Par contre, si les midot sont bonnes, même sans Yirat Shamayim, ce n'est pas un problème. Yitzhak va lui apprendre toute la Yirat Shamayim. On va l'apprendre. Yitzhak, il va lui faire une formation accélérée, stage rapide. Il va lui apprendre toutes les mitzvot, toute la Torah qui sait Hachem. Et elle va foncer avec lui, main dans la main. Pourquoi? Elle a de bonnes midot. Dinorab, combien on voit l'importance des midot beaucoup plus que tous les autres domaines de la Torah, toutes les autres matières. Parce que c'est là-bas le principal. Et le Tomer Dvora, c'est quoi le secret des midot? C'est quoi le sod des midot? Pourquoi midot c'est tellement important? D'abord, midot, c'est même pas écrit dans la Torah. Oui? Avoir de bonnes midot, c'est écrit dans la Torah? C'est pas écrit. Il n'y a pas un endroit dans la Torah où on te dit, tu n'as pas le droit d'avoir de l'orgueil. Écrit, l'interdit de l'orgueil dans la Torah? Non. L'interdit de la colère dans la Torah, il est écrit quelque part? Et pourtant, quand tu lis le Zohar, oh, ce qui est écrit sur l'orgueil, ce qui est écrit sur la colère, en fait, d'Avodazara, tu ouvres la Gemara, même dans le chasse, combien c'est grave la colère, combien c'est grave l'orgueil, combien c'est grave toutes ces midot raot. Remplis les Ma'amarim du chasse. Dans la Torah, pas un mot, même pas un demi-mot. Dis sur ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Le Charik de Shah Rabbi Chaim Vital dit que la Torah n'a même pas besoin de parler des midot. Pourquoi? Parce que je commence à te parler de Torah qu'une fois qu'il y a les midot. Sans midot, on ne parle même pas de Torah. La Torah ne peut pas venir dans un corps qui est sale, dans une neshama qui est sale, dans quelqu'un qui est intéressé par l'orgueil, intéressé par montrer ses connaissances, intéressé par les plaisirs de ce monde, etc., etc. On a tous des mauvaises midot, oui? On a tous des mauvaises midot. La question, elle est qu'est-ce qui domine en nous? Ou alors, vers quoi on aspire? Est-ce qu'un homme est conscient et qu'il aspire changer? Ou non? Je suis comme je suis, et là, sur ça, je mets de la Torah. Sur ça, je mets de la tefila, sur ça, je mets du moussard et de la Yirat Shamayim et tout ce que tu veux. Mais changer, bon, on verra. On verra. Alors non, un homme est conscient. Oh, il va avoir, il y a de la colère en moi, il faut que j'arrête. Il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil. Il faut se surprendre, orgueilleux, il faut se surprendre avec de mauvaises midot. Maintenant, c'est quoi le sod? C'est quoi le sod des midot? C'est quoi les midot? En quoi une mauvaise mida, c'est tellement grave? En quoi une bonne mida, c'est tellement important? Avant d'arriver à ce secret-là, on va lire un peu quelques passages du Charik Doucha sur les midot.
Ulefichach inyan amidot araot kashim mina averot atzmam meod, il dit Rabbi Chaim Vital. Le inyan de mauvaise midot, c'est beaucoup pire que l'action des averot. Pire que ça. Uvazet avin, ce qui est écrit, tout celui qui est kores, oved avodazara, mamash, comme le Zohar dit, que celui qui se met en colère, il amène un korban à la avodazara dans le ciel. Ils ont un hôtel, un misbeach, le côté du mal, la sitrachra. Ils ont un misbeach, ils ont des kohanim là-bas dans le ciel, ils ont tout ce que tu veux, tout ça c'est sitrachra, c'est le côté mauvais. Et un homme qui se met en colère et qui balance un objet par sa colère, ils viennent tous comme ça, ils prennent son objet qu'il a balancé et ils l'emmènent en haut sur leur misbeach à eux. Et qui c'est qui a apporté ce korban? Monsieur le coléreux. Et il leur a donné des forces. Et avec ça, ils se nourrissent. C'est un avodah zara mamash, ça. Pareil, dit le Midrash, Mishi yesh bo gasut ruach ou kekofer baikar. Celui qui a de la gava, c'est comme si il renie Hachem. Il a de l'orgueil, il renie Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait comme avéra? Il a un peu d'orgueil, makara. Non, midot, c'est grave. Raoui le godro ka ashera. Il est Raoui, il est apte, cet homme-là. On devrait le couper comme on coupe un arbre d'Avodah Zara. Arbre d'Avodah Zara, tu prends une tronçonneuse électrique et tu fais bzzz, tu coupes. Mitzvah d'Oraïta. Celui-là aussi, tronçonneuse électrique et un film d'horreur. Bah, qu'est-ce qu'il a? Ah, monsieur, il s'est pris un peu pour que. Ah, ma, tu le trouves bah, la tronçonneuse, tu le tranches. Bah, gars. Ken, c'est ce qu'elle dirait, Mara. Raoui, les godrons, qu'un chéra. Eh bien, après, tu le coupes en morceaux. Chaque morceau. Ma, gava. Gava, c'est grave. Pourquoi? J'ai mis d'autres raot, c'est autre amour. Ve'en af aron in ar. Il se lève pas, triatametim. Celui qui a de la gava ne se lève pas à Triat HaMetim. Il a fait Shabbat, il a fait Dafayomi, il a fait Messiou Machas, il a fait tout ce que tu veux. Mekoubal El Aki. Aval, dans son cœur, il sent, Baruch HaShem, qu'il est quelque chose. Ken, à Triat HaMetim, il va dormir. À l'éternité. Enina. Pourquoi? Impossible de servir HaShem avec des midot. C'est impossible. Venimtsa, dit Rabbi Chaim Vital, qui yoter tsarich nizaher mimidot raot, yoter min kiyu mitzvot ase velot ase. Il faut faire plus attention aux midot raot, à la anava, au respect de l'autre, à la façon dont on parle avec sa femme, avec ses enfants, avec à la patience, etc. Plus attention à ça qu'à l'accomplissement des mitzvot ase et lot ase. L'inverse de ce qu'on voit autour de nous. Autour de nous, on voit beaucoup de Torah. Il y a beaucoup de Torah. Il y a beaucoup de zilzoul de Chachamim. Il y a beaucoup de zilzoul de l'un par rapport à l'autre. Ça s'écrase. Ils sont tous des bulldozers. Bulldozers qui est plutôt. Ils écrasent tout le monde. Ils sont des bulldozers en Torah, mais ils ont des bulldozers aussi où ils écrasent tout le monde. C'est Chas v'Shalom. Cette Torah-là, c'est pas cette Torah qui est chère aux yeux d'Hachem. יותר מן קיום מצוות עשה ולא תעשה. כי בהיותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות, ציינו מילה דבון מידות, très facilement, il pourra accomplir toutes les mitzvot. Pourquoi on a du mal à accomplir les mitzvot? Pourquoi un homme il dit oui, la yeshiva, oui, la Torah, oui, mais ça, oui, mais bon, il faut être un bon juif, ça suffit. Pourquoi un homme parle comme ça, vous savez? Il dit Rabbi Chaim Vital, parce qu'il n'a pas de bonnes midot. Il est intéressé par lui-même, parce qu'il a de la gava, et il est intéressé parce que lui-même aime, parce qu'il se considère comme étant un avis, et puisqu'il est intéressé parce que lui-même aime et que ça ne va pas toujours en accord avec ce que la Torah aime, alors il va parler mal sur la Torah. Alors il va rabaisser, négliger l'importance des mitzvot. Où il va se trouver des hétérim, des permissions de faire ci ou de faire ça. Pourquoi? Parce que lui-même se considère comme étant un mandama. C'est ça, c'est pour ça qu'on a du mal à accomplir la Torah. On va zet avin gam ken dvarim matmiim shamu chazal minin abidot ki ha'anava ve'ashiflut mevi'im lidir ruach ha'kodesh.
Il dit, la anava s'entraîne Ruach HaKodesh. Veshore alava shrina. Quoi? Comment c'est possible? La anava, un homme, il est humble, Ruach HaKodesh, plus haut niveau de Dvikut avec Hashem. Attends, humble, il faut qu'il connaisse tous les Ktavim du Harizal. Ma, au moins, minimum. Par cœur. Plus tout le chat, c'est plus. Et après, Ruach HaKodesh. Tu vois, ils n'ont pas parlé de tout ça. Un homme, il est un ave, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Il amène une main dans un Edrin. Ezeu ben Olam Haba. Qui est l'homme qui fait partie du Olam Haba? Allez, répondez. Ah, à part ça. Ah, ça, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on aurait répondu avant le cours? Qui connaît toute la Torah? Qui fait attention à ne pas faire une Avera? Et qui fait toutes ces bonnes qualités. La Gemara dit Kol Shu Shafal Berich Van Vetan. T'as trouvé la réponse. Tout celui qui a de la Hanava. C'est-à-dire, Olam Haba, quel? C'est tout ce qu'on a trouvé. Pourquoi? Parce que celui qui a de la Hanava, il a obligatoirement tout. Parce que c'est impossible que quelqu'un ait de bonnes midotes et qu'il ne soit pas attiré par le bon. Et quelqu'un qui a de bonnes midotes et qui est bon, il va découvrir que le vrai bon, c'est Hachem. Et quand il va découvrir que le vrai bon, c'est Hachem, alors il va faire tout ce qu'Hachem veut. Tout ce qu'il veut. Où ça commence? Hanava. On n'a pas dit que celui qui a de la Hanava, il va aller en Olam Haba, même s'il ne fait pas Shabbat. Shras v'shalom. Ah ben, celui qui a de la Hanava, il ne pourra pas ne pas faire Shabbat. C'est quel chidouche? Impossible de ne pas faire Shabbat s'il a de la Hanava. Celui qui ne fait pas Shabbat, c'est parce qu'il croit qu'il peut décider quelque chose dans ce monde. Il croit qu'il est quelqu'un d'important, qu'il a un avis. Bon, alors on peut... Celui qui ne va pas étudier la Torah comme il faut, c'est parce qu'il pense que... On peut... C'est de la gava, ça. C'est de la gava. On est même pas des microbes devant Hachem, dans ce monde. On n'est rien du tout dans ce monde. On regarde un homme, et aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là. Un homme, il part comme ça en 2 secondes. La vie d'un homme, elle change en un instant. Quand beaucoup, il montre des gens, il en fait moins que rien en un jour. En un jour. Et il y a plein de cibotes. C'est pas le moment de s'étaler. Il y a tellement d'histoires, on entend. T'étais un mari avec des enfants, tout va bien, une belle famille, l'argent, tout. Elle l'a trompé. Il a découvert qu'elle l'a trompé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À sa vie, maintenant, il se rêve le matin. Non. Il a une raison de vivre. C'est fini, il est déprimé. C'est fini. Toute sa vie est partie. Ah, ils avaient prendre 15 ans de se relever. Non, c'est quoi, Ben Adam? Ah, c'est quoi, où elle est toute ta situation? Il est là, tout va ta vie. En un instant, Kadosh, il prend un homme du plus haut des niveaux et il le met au ras des pâquerettes. En un instant, aussi riche et beau et fort, tout ce que tu veux. Ah, c'est quoi la vie de l'homme? Non, les histoires, là, hier, quelqu'un m'a raconté, il est parti au Bedin, sa vie, c'est devenu, le Guéhenam, c'est devenu. Religieux, tout ce que tu veux. Hein? Ah, ton argent, il sert à quelque chose? Ce que tes pensées, et tes façons de voir les choses, et tes analyses, et tes pensées philosophiques, t'es devenu une mouche, il est devenu. Une mouche, comme ça, il est mort-vivant. Une mouche, avant c'était un... présentable, bien, souriant, il te parle, il devrait t'aura un petit peu et tout. Aujourd'hui, rien, c'est devenu une serpillière, le Ben Adam. En un jour. Non? Quelqu'un a une assurance de quelque chose dans ce monde? Qui c'est qui pense que cette vie-là, elle est entre ses mains? Celui qui croit qu'il est quelque chose. Celui qui croit que sa vie est trop. C'est lui qui est maître de sa vie, maître de ses événements, maître de son futur. Alors lui, il croit que sa vie est entre ses mains, donc il peut se permettre de ne pas accepter les 613 mitzvot entièrement. Il y a des petites parties là-bas, bon, on fait ce qu'on peut. Aval, celui qui sent qu'il n'est rien, il est entièrement soumis à Dieu. Qu'est-ce que je suis pour croire que demain, il y aura ça et il y aura ça et... Cloum ah, alors tu es conscient qu'on n'est rien. Il dit, Thomas Dvora, qu'est-ce que c'est la Hanava? Vine ikara navahu shelo imtza be'atzmo erech klal, de pas trouver en soi aucune valeur.
Et la Yershov chez où Aïn, il va se considérer comme rien, néant. Il n'a même pas de moi, il n'a même pas d'être. Donc Ma'amar Anav et Nachnouma, qui c'est qui a parlé comme ça, Moshe Rabbeinu? Nachnouma. Avram, il a dit, Afar va Efer. Je suis de la poussière, mais j'existe. David, il est Tolarat Veloïch. Je suis un ver de terre, mais j'existe. Moshe a dit, Ani Ma. Clou. Même une existence, je sais pas. Le sommet de l'Anava qui peut exister. Bien sûr, c'est pas par rapport à soi-même, c'est par rapport à Hachem. Par rapport à soi-même, il faut connaître sa place, il faut connaître ses valeurs. Sinon, après, un homme, il déprime. Ouais, je suis rien, et à la fin, il va devenir rien. Okay? Vadaï, un homme, il doit connaître sa valeur. Baruch Hashem, je connais ma sechet Baba Kama. Baruch Hashem, je prie tous les matins. Baruch Hashem, je suis un ben Torah. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu même. Baruch Hashem, je vois l'Ashgachat Hashem. Vadaï. Mais tout ça, comparé à la réalité, comparé à Dieu, c'est quoi? C'est clou. À tel point qu'il doit être à ses yeux la créature la plus basse qui existe de toute la création. Le dernier de toute la chaîne de l'importance de la création, lui, il est en dessous de la dernière ligne. Comme ça, un homme doit se voir. Quelqu'un qui se voit comme ça, il peut ne pas accepter la Torah. Il peut remettre en question des mamarim de Chazal ou des Gmarot. Clou. Il peut faire que toute la Torah. Asvadaï, vous prenez la Gmara maintenant. Ezeu ben Aolam Abba, Konshiu Anvatan. Celui qui a de la Anava, c'est obligé qu'il va en Aolam Abba. Parce que celui qui a de la Anava, c'est obligé qu'il va être soumis au Chachamim. Il va boire avec soif leur Torah. Il va se remplir de Torah vraie. Il va savoir comment servir Dieu. Il va avancer et il va supporter l'un et l'autre. Il va faire des tikkunim. Tout le problème, il est quand un homme a de mauvaises midot. Il a jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi ça? Et moi aussi, je veux être riche. Et moi aussi, je veux m'acheter des affaires. Ah, il commence à lui, moi. La ga'ava, c'est elle qui entraîne toutes les mauvaises midot. Et pour terminer, toute la base de l'accomplissement des mitzvot n'est que grâce aux bonnes mitzvot. Ren be'efran est pareil à l'inverse. Ça veut dire le non-accomplissement des mitzvot vient à cause du manque de bonnes mitzvot. Et dis-toi, Mère Dvorah, que quand un homme, tu as un petit peu de la Kabbalah, mais très léger, quand un homme se comporte en bonne midot, quand un homme se comporte avec patience, par exemple, on lui a mal parlé, on lui a fait du mal, sa femme elle l'a énervé, et lui maintenant il va supporter, il va pas s'énerver, dire bon Hashem c'est sur ses merveilles, il va être calme, il va supporter, il va déclencher dans le ciel un shefa énorme de chesed, de bonté, il va déverser dans le monde entier un chesed selon la mida qu'il a utilisé. Là-bas, celui qui veut voir tout le domaine de Vora, il explique. Il y a des midotes qui viennent du front, des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, des mains, etc. Chaque membre que je vais utiliser comme bonne mida, par exemple l'oreille, je vais écouter le son du pauvre. Je vais écouter celui qui est en détresse. Celui qui a besoin de me parler, il va écouter sa femme quand elle a besoin de lui expliquer, bien que maintenant il n'a pas le temps, maintenant il est pressé, mais maintenant aussi elle est pressée. Elle aussi, elle veut dire maintenant. Oui ? Alors les deux, ils veulent maintenant. Alors lui, il va utiliser l'oreille, son oreille, dans la Ktusha. Il va dire maintenant, il y a la voix du Hani. Hani, ce n'est pas forcément pauvre en argent. Hani, c'est peut-être en Neshama, en Simcha. Un homme, il y a beaucoup plus d'anim en simcha, c'est beaucoup plus dur d'être ani en simcha qu'ani en argent. Il est ani maintenant, il est en détresse nafshit, il a besoin de conseils, il a besoin d'encouragement, il a besoin de parler. Parfois c'est les enfants, combien d'erreurs on fait avec les enfants parce qu'on n'entend pas leur détresse. Ils ne parlent pas. Ils reviennent de l'école, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, ils ne te racontent rien. Et à la maison il vient, il fait des bêtises, ouais, tout d'un coup il se comporte mal, tout d'un coup il est agressif, tout d'un coup, bien sûr. Il a rani misken, personne ne l'a écouté. Il aurait aimé rentrer à la maison et qu'il y ait une oreille
qui vient, qui l'écoute et qui se déverse, qui se dit, celui-là, il m'a parlé comme ça, et le ravi m'a puni alors que c'était même pas moi, c'était un autre. Il a une détresse. C'est Rani, la femme, elle a une détresse. Ton ami, il a une détresse. Il veut te parler maintenant. Alors, il va utiliser, c'est qu'un exemple, okay? C'est pareil dans tous les moments. Il va utiliser son oreille pour écouter. Il va utiliser en bien. On peut utiliser l'oreille pour écouter du lashon hara. Maintenant, il va utiliser l'oreille pour faire du chesed. Il dit, le Rav, que dans le ciel très 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 haut, il y a aussi une oreille kadosh. La même façon que nous, on a des membres, on a des yeux, un nez, des oreilles, etc. On est créé Betzelem Elokim. La forme qu'on a, nous, c'est la même chose dans les sphères célestes en spirituel. On n'a pas le droit de mettre de forme, mais c'est la même chose. Les oreilles qu'on a, nous, et des oreilles aussi là-haut. Et l'oreille qui est kadosh, 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 très 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 haut, va déverser là-bas un shéfa dans le monde entier. Parce que lui, il a utilisé l'oreille en bien, cette oreille là-haut, il y aura un grand shéfa. Le front, pareil. Les yeux, pareil. Le nez, pareil. C'est ses midot, ça. C'est le sod des midot. Et à l'inverse, Chas v'shalom, aussi. Il va utiliser les yeux en mal, il va regarder du mal, il va regarder méchamment, il va être agressif, ou il va fermer les yeux. Il va fermer les yeux de pas voir la détresse de l'autre, okay? Comme si qu'il voit pas. Il va fermer les yeux là-haut, il entraîne Chas v'shalom qu'on ferme les yeux. Y a des détresses dans Am Israël, il y a des malades, il y a des pauvres. Mais indifférent. Il va entraîner le comportement dans le ciel de l'indifférence. Parce que lui, il est indifférent. Voyez comment ça agit les midot? Comment un homme, il peut entraîner du mal dans le monde à cause de ses mauvaises midot? Toute l'interaction entre nous et Hachem, le rapport qu'on a entre nous et Hachem, la façon dont Hachem va se comporter avec nous et avec le monde entier, va dépendre de la façon dont nous, on se comporte avec l'autre. Ça, c'est le sod des midot. C'est pour ça que les midot, c'est tellement important. Comme ça, écrit en long et en large, le Tomer Dvora. Et il détaille chacun des membres. Donc, Vadaï, qu'on ne peut pas parler de Torah, ni de Yeshiva, ni de quoi que ce soit, si ce n'est qu'un homme se prend en main, comme il peut, doucement, doucement, et dit le Rav, le meilleur moyen, c'est la Torah. Il amène un Midrash. Je vous dis. Il dit Yov. Regardez ce qu'il dit Yov. C'est bon, Rabbi Aaron, tu peux remarquer. Regardez, c'est Nifla. Je peux parler maintenant jusqu'à Arvit, si vous voulez. Jusqu'à Arvit, on peut parler. Comme ça, on sort avec des bonnes minutes. C'est tout. Il dit Yov, Ribono shel Olam. Tishmeu, Yesod, Gadol, Me'od. Combien c'est impossible de changer Mida. Parce que maintenant, on a parlé, c'est important, important. Oui, mais on a des mauvaises midotes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, je vais sortir, je vais faire quoi? Ok, je sors de cours, je fais quoi? Je fais quoi? Je vais changer maintenant, du jour au lendemain. Alors qu'est-ce que je fais? Mode d'emploi, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours des cours, mais il n'y a pas de solution. On dit c'est grave, c'est grave, c'est grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va dire ce qu'on fait. Il y a Ovidi, il est bon chez nous. Tu as créé le chor, le bœuf, taureau. Il est cachère? Cachère. Il a les sabots fendus. Tu as créé l'âne. Il a les sabots qui ne sont pas fendus. Taref. Tu as créé le Gan Eden. Tu as créé le Gehenna. Tu as créé les Tzadikim, des gens bien. Kadosh, Taor. Tu as créé des Rechaim. C'est toi qui les as créés. Mimeakev Aliatra. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'agir? C'est toi qui as décidé qui est le bien et le mal. Nakhon? Et bon, c'est toi qui as décidé qui est le bien et le mal. Alors, comment tu veux qu'on soit bien? Il compare, Iyov, le fait qu'il y ait tzadik et racha avec le fait qu'il y ait un animal tamé et tahor. C'est de la même façon que c'est toi qui as décidé qu'il y ait des animaux tamés dans ce monde. Alors, tu as décidé aussi qu'on fasse des averot. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous comprenez la comparaison? On comprend rien à la comparaison. Quel rapport? Il y a un animal tamé, un animal tahor, c'est dans son naissance. C'est sa mahout. Un animal, il est tamé, il est tamé. Comme ça, quand je vous crois, il a décidé. Un animal, il est tahor, il est tahor. Le tahor peut devenir tamé? Non. Le tamé peut devenir tahor? Non. Aval, l'homme, il peut décider s'il est tzadik ou rachat? Oui.
Alors comment Yov il dit, mais c'est toi qui as décidé qui dirige. De la même façon que tu as décidé qu'il y a des Hamorim, tu as décidé qui dirige. Je ne comprends pas. Rabbi Yehuda Kahn il dit, le même Yesod. Yov il est en train de dire, en bonheur sur l'homme, les mauvaises midot de l'homme, on ne peut pas les enlever. Un homme qui a de mauvaises midot, il ne peut pas les enlever. Donc ne croyez pas, après ce chiour-là, qu'on a parlé tellement de graves midot, qu'on peut venir maintenant prétendre qu'à partir de maintenant, on va être des moutons. Des petits moutons chacun. Je suis gentil avec tout le monde, on va supporter tout le monde, on va aimer tout le monde, et on va voir les autres avec un bon oeil. Et quand l'autre il va amener sa nouvelle voiture, on va être content pour lui. Et quand il va gagner au loto, on va être heureux, on va le bénir. Et quand, oh, tout va bien. Ça y est, à partir de maintenant, la vie est rose. Il dit, Laura, c'est impossible. Un homme avec de mauvaises midot, il ne pourra pas les changer. On a répété ça même avant Rosh Hashanah, je me rappelle. D'accord ? Ne crois pas qu'on peut changer les midot comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, Barati Yetzera, Barati Lotorat Vali. Kadosh Baruch Hu lui-même t'a donné le remède. Tu veux le remède pour les midot ? Il y a une seule chose. Il amène tout le message de Shirim, mais il est trop tard. Il n'y a que l'étude de la Torah. Et après, le Rav s'étale pour dire qu'on ne parle pas de l'étude de la Torah en soi, seule, mais l'étude de la Torah l'Ishma. Où on aspire à étudier la Torah pour Hachem. Parce que Hachem nous a demandé. Mais comme, pas comme une science tam ou pour avoir des connaissances. L'étude de la Torah, les Shem Shamayim, c'est le seul remède contre le Yetzer Hara. C'est le seul remède contre les Midot. D'où l'importance où on met toujours en premier degré l'étude de la Torah. Il faut étudier la Torah, il faut faire des cours de Torah. Les Torah, les Torah, les Torah. Pourquoi Torah, Torah, Torah ? C'est comme toutes les mitzvot. Et la Torah, va faire aussi Gmilut Hasanim. Va chez vérifier des malades, rendre visite à des malades. Des malades, des malades, des malades, des malades. C'est, fais ça aussi, aussi bien que Torah, pourquoi ? Ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah. Ah, ben c'est pas pareil. Talmud Torah Keneged Kulam, pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la Torah, Arsha Mechatchi, qui pourra t'aider à l'Ekayem Kulam. Sans Midot Tovot, on ne peut pas faire les mitzvot. Ce qui t'enlève les Midot Tovot, les Midot Raot, qui t'enlève les mauvaises Midot, c'est quoi ? Une seule formule, un seul médicament, l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah t'entraîne à accomplir toutes les mitzvot. C'est Talmud Torah qui neged kulam. Sans Torah, tu restes avec tes mauvaises midot. Et si un homme il reste avec ses mauvaises midot, il ne pourra pas accomplir le reste de des mitzvot. Ah, puisque le seul remède c'est la Torah, donc combien il faut courir pour étudier la Torah qui va nous nettoyer les mauvaises midot, va nous donner les bonnes midot. Si je l'étudie le Chavod Hashem, si je l'étudie sans trop de gava, etc., ça va me changer, ça va me donner de bonnes midot, et grâce à ça, j'accomplirai toutes les mitzvot. Donc ça, c'est le remède. Combien il faut s'accrocher à la Torah de toutes ses forces, étudier la Torah de toutes ses forces, et essayer de l'étudier au maximum, avec le maximum de propreté, sans mêler de midot.